que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Crions Alléluia. Crions merci Seigneur. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amour Dieu, c'est riche, c'est pur. Lui sans midi, lui fort. Amour ça, lui dirait tout temps. C'est cantique tous un jour. Merci Seigneur pour ton amour. Et nous sommes ici ce matin pour témoigner de l'amour de Dieu. Déployer en son fils Jésus-Christ. Amour, bon Dieu, puis grand passé, tout ça, le l'aller plus loin, l'aller plus loin, par ces étoiles, par ces étoiles, joint le monde qui te file perdu, rejoint le monde qui te file perdu, petit bon Dieu. Peine à péché, à la peine, car il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant il est loin de nous nos transgressions. Quand l'Orient est le royaume de l'Occident. Amour, mon Dieu. Amour, mon Dieu. Mon amour qui soit pareil. Les riches, les pires, les sans mesure, les joints de monde, tant que moi-même avec vous, qui t'es perdu. Nous, il a fait nous, il pardonne nous, et puis il dit nous même tout, pardonnez l'autre monde qui fait nous tort, et mon tout que nous fait tort, il m'a dit, même Jean lui-même lui pardonner pour nous même pour nous pardonner, même s'il va facile. L'année passée, l'année passée, les tout trône, tout droit fin tombé. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion. Merci pour ta fidélité. Après désobéissance par un yo, dans le jardin d'Éden, notre Dieu, Dieu d'amour, de miséricorde et de grâce, avait déjà préparé un plan de salut pour l'humanité. Et dit-il, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais victoire t'es déjà assurée
roi. Gloire à Dieu. Et près de 2000 ans de cela, promesse là t'est accompli. Notre sauveur Seigneur Jésus-Christ descend pour venir sauver. Balancez mes prières à mon Dieu. Amour. Bon Dieu, c'est lui, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Amour ça, lui sans Jésus, lui sans Jésus. Non seulement le sang mais lui fort, lui fort. Et lui direct dans amour ça. Quel amour c'est pour quelqu'un. Quelques semaines, quelques mois ou bien quelques années. Mais amour ça a duré tout le temps. Et c'est quand si tout ce jour. Balancez mère devant le trône sacré de Dieu. Et puis songez, côté mon Dieu prend. Grâce que mon Dieu fait. Et il dit même Jean lui-même, en Jésus-Christ, il nous a pardonné. Elle m'a dit nous-mêmes pour nous pardonner réciproquement l'une l'autre. Quel que soit j'assaille. Parce que lui-même, il fait en premier. Car il nous a aimés. Avant la fondation du monde, que son amour nous inonde ce matin. Sinon, t'es capable de changer la mer. Sinon, t'es capable de changer la mer. Prends la dans le ciel là. Prends la dans le ciel. Amen. Si tu bois sous la tête et plus. Si tu bois sous. Amen. Gloire à Dieu. La terre. Il met tes étoiles. Il met tes fleurs pour nous. Il met l'eau pour nous. Il mettait toute bagaille avant qu'elle te fait. Alors écris, t'as écrit. Pour y'en écrit, écrit l'amour mon Dieu. L'amour mon Dieu. A fini sécher l'homme. A fini. Et en plus, de toute salle, il nous a donné la vie éternelle. L'adoration de l'église, bâtie de la fraternité, l'adoration de l'épouse. Tu es du Seigneur,
Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu de lumière, élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour les chemins de ton cœur ont pu trouver nos prières? Oui, reçois Seigneur, reçois l'adoration. Tu es le roi. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs. Ô Éternel, notre rocher et notre libérateur, que ton nom soit béni. Emmanuel, crions Emmanuel, Emmanuel. Amen. Inclinons-nous devant le Dieu des dieux, devant le Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous te remercions matin encore une fois de ce que vous rassemblez nous dans la présence dans le temple de la fraternité dimanche 14 février 2021 pour faire nous part de présence ou admettre nous dans la présence. Nous te remercions de ce que vous réveillez nous du sommeil de la mort pour permettre nous capables de réveiller, nous capables de gagner sens. Nous avons bien bon sens même pour nous rentrer dans la présence. Nous te remercions de ce que c'est vous-même qui orchestrez tout ça que nous avons. Parce que terre, ciel là, pas grand caché dans vous que vous-même ou pas au courant. Ce n'est pas nous seuls qui avons dormi hier soir, mais on permet que nous parmi ceux là qui réveillent, nous-mêmes tous nous faisons partie de vous. Et nous avons raison matin pour nous te remercier. Parce que journée ça, c'est journée que bon Dieu créé. Et tout le monde qui l'a dedans doit baler gloire, honneur, louange qui lui-même seul mérité. Nous te remercions d'être que c'est Dieu de la fraternité. Un bon Dieu qui veillait sur nous. Un bon Dieu qui gardait nous, les nous rentrer, les nous sortir. Un bon Dieu qui fait provision de vie pour nous. Nous comprenons ça, leur déplacer. En chair, vous venez habiter parmi nous dans la personne de ton fils Jésus. Vous venez réconcilier nous ensemble avec vous, nous-mêmes qui n'avons pas de droit de citer en Israël, nous-mêmes qui n'avons pas de nom, nous-mêmes qui n'avons pas de renom, nous-mêmes, Seigneur Dieu, qui n'avons pas de voix en rien, nous-mêmes qui n'avons pas de position, mais vous-même, matin, vous positionnez nous et vous relez nous petites, parce qu'on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir petite bon Dieu. Matin, nous sommes petites. Et en tant que petites, nous déclarons nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça dit tout ça qui est bon, là, car bon Dieu, c'est pour nous. Matin, nous te remercions de ce qu'on fait provision ça pour nous. Nous te remercions pour tout un chacun, monde qui fait le déplacement, soit qui sortit de loin, soit qui sorti de près, Seigneur Dieu qui rentre dans ton plan pour une salmodie, non. Nous pas meilleur parce que l'autre peut-être qui ailleurs, qui pas gain rapport avec bagaille céleste. Nous même tout nous t'es capable dans mi-temps yo, mais mettez-nous à part, ou sanctifiez-nous. Ou mettez-nous dans position d'honneur, ou ban nous identification, ou ban nous identité. Seigneur Dieu, matin, nous te remercions. Nous présentons l'église là devant d'une façon spéciale.
ou connaît ça qui bon pour nous, ou connaît moun qui est content dans l'église là, ou connaît moun qui a crié dans l'église là, ou connaît moun Seigneur Dieu éternel qui va connaître si pour monter si pour descendre. Mais du fait que yo rentré dans temple le matin, hein, expérience qui a fait avec vous va ba yo espoir que la vie va meilleure, soit petit aller, soit demain ou après-demain, mais on gon plan de vie pour eux-mêmes. Aidez-nous Seigneur Dieu pour nous rester attachés à vous malgré vents et marées, pour nous connaître que demain nous a meilleur parce qu'on fait provision pour demain. Nous-mêmes nous pas connaître ça qui va arriver demain, mais on déjà traversé demain déjà. Ou gen ta konnen sa kou fè, Seigneur Dieu. Bénis-nous tout ensemble matin. Permettre que l'évangile qui va prêcher matin, il va prêcher pour gloire non capable éclater, pour l'église capable édifier. Tout ça qui va faire matin va faire Seigneur Dieu pour avancer royaume nan de la vers l'avant. Bénis-nous Dieu 3 fois 5 et moun nou pa wè depuis longtemps Seigneur éternel Dieu. Ou konnen kote ou ye. N'a pande ou mette idée Seigneur éternel nan nous-mêmes. Soit pour nous faire un appel téléphonique, ou soit pour nous faire une visite quelconque, quel que soit salva hier, Seigneur Dieu, nous va en chercher qu'on est, qui s'est passé. Parce que les yun par là, nous sentis les manquer. Fais-nous grâce ce matin, pour s'il a peut-être qu'à souffrir dans cette salle-là, qui besoin de toucher de Dieu. Ou habitué à toucher nous déjà, et nous connaît quoi toucher nous encore. Parce que bon Dieu qui était là hier, c'est là que je dis, c'est lui-même qui l'a jeudi et c'est lui-même qui va là éternellement. Mais dimanche matin ça nous levons devant mon Seigneur éternel Dieu, nous levons devant face bénie. Oh, nous venons à nu et à découvert. Nous dépassons semaine côté tout ça nous dégaine aller déjà Seigneur Dieu. Nous venons remplir nous encore Seigneur Dieu dans temple. N'a mando mettez l'espoir dans nous, n'a mando onctionner nous, n'a mando bénir nous d'une façon spéciale. N'a pas de parler dans le cœur nous d'une façon spéciale, individuellement et collectivement. Aidez-nous à rester attachés à vous et à vous-même seul. En façon dernier jour, nous capables de dire, c'est de l'éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Que le nom de l'éternel capable de bénir, que le nom de l'éternel capable d'exalter, non seulement pour matin, mais pour tout temps guettant. Nous prions comme ça, au nom de Jésus. Amen. Prions alléluia. Disons merci Seigneur. C'est l'éternel qui est Dieu. Gloire à Dieu, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu sous la direction de notre bien-aimé, la sœur Janine Salon, à la gloire de Dieu dans le psaume 111. Et l'assemblée priait de se mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Prions alléluia. Alléluia. Je remercie Seigneur. C'est l'éternel qui est Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Bon Dieu bénis-nous. Moi, je vais faire lecture pour nous, que nous joignons dans le psaume 111, comme précédemment annoncé par l'évangéliste Théodore. On va suivre avec moi et m'appeler pour à la gloire de Dieu. Je louerai l'éternel de tout mon cœur. Dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent et se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Parole du Seigneur.
Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Quel que soit côté, adoré. Fait qu'elle est content. Ou la caille Seigneur. Ou a besoin de cantique ça dans 204 français, chant d'espérance. Ou même qui la caille. Même qui n'en temple. Connectez-nous pour nous capables de Seigneur. Gloire ou n'est lui-même seul mérité. Alléluia. Fais que tu arrives vers le trône matin. Il mérite, c'est pas faveur la fête. Le cri de mon âme s'élève vers toi. S'élève vers toi. Elle te réclame. Elle te réclame. Jésus pour soi. Jésus pour soi. Quand je vais passer.
que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Accueillons notre bien-aimé, notre frère, Marc-Antoine Telfort, gloire à Dieu dans salutations et annonce à la gloire de Dieu. Alléluia, 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 moi conscient, moi alléluia, 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 je vais même crier alléluia, 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 moins conscient, moins conscient. Merci pour l'amour, Seigneur. Bon pour moi. Bon pour moi. Merci beaucoup Théo. Bien-aimé, grâce et paix bon Dieu avec nous. Psalmiste dit dans le psaume 121. Nous allons servir avec lui pour faire collier dans le cours pour toute année. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Nous saluons l'assistance là. Nous saluons même qui la caille, qui a suivi le service là, qui est dans le service là. La gloire du Seigneur. Et nous disons welcome à tout le monde, visiteurs qui est avec nous matin. Les amis qui passent, ouais, nous à la gloire du Seigneur. Si vous êtes avec nous pour la première fois dans l'église baptiste de la fraternité, nous profitons de l'occasion pour nous souhaiter la bienvenue. Nous invitons d'avoir campé pour l'église à ouais, au matin à la gloire de Dieu. Visiteurs qui sont là avec nous. On va nous camper pour nous faire connaissance avec vous. Ah, ouais, bon, nous, un jeune garçon qui est avec nous. Salut au matin, fraternité, salut, l'encouragez-vous. Souvent, dans Jésus, qui aime la foi. Mais si vous pouvez faire confession de foi, nous invitez-vous pour accepter Jésus. Parce que si vous êtes porte là, en tant que jeune garçon, ça, on va prendre Jésus pour la vie. Bon Dieu béni, nous souhaitons passer bon dimanche. À la gloire du Seigneur. Merci beaucoup. Gain l'autre temps, bien aimé frère, qui est l'autre jeune garçon encore. Nous faisons même souhait pour vous tous. Pas quitter porte là, si vous connaissez Jésus. Mais si vous connaissez Jésus déjà, nous encourageons, vous avez la foi, vous avez la lutte là. Parce que le ciel n'est pas trop loin. Nous encourageons, salut mon Dieu. Bon Dieu béni vous et passez bon dimanche à la gloire du Seigneur. Nous saluons l'église, nous saluons tout le monde qui a écouté nous. Et nous saluons de part la sœur Nicole Cola. Son monde, pour dire, son Jean-Pile. À chaque fois, sur le Canada, il passe. Nous avons songé gros dames, ça. Et on a mis pasteur, il a plus de 50 ans. Enfin, le ciel relève, il passe de la vie au trépas du côté du Canada. À chaque fois, il passe, bon, ici, il ne va jamais pas avec nous en prière par la foi. Dimanche matin, Lila. Dimanche soir, Lila. Mais nous n'avons jamais mon visage comme ça encore. C'est Nicole Cola. En fait, qu'on est sa femme, pasteur, il se met en pile. Si tu as un bon temps, tu as une délégation qui a déplacé pour aller au Canada pour l'assister. Service funèbre, c'est Nicole. Mais hélas,
bout de sang, comme il y a un monde qui connaît bout de sang qui est voyage. Temps fait nos défauts, plaie, problème qui sous la terre qu'on y a, tout le monde a vu qu'on n'est pas capable. Pas souhaiter seulement famille Nicolas, s'il y a côté nous sur Internet, du courage, mais nous souhaiter pasteur Wismi, tout du courage, tout. Parce que je connais ça fait mal, en pile. Nous saluons frère Ronald Jean, qui visitait nous matin, je ne sais pas si c'était lui qui était campé en pièce. Et pasteur Nassis, c'était pour Ronald Jean, pasteur Nassis, il était campé derrière pour Ronald Jean, pasteur Nassis, c'était mon petit note là, pour fraternité capable de saluer. Nous saluons aussi la sœur Nizi Ambroise, pour courage, li. Et sœur Monette qui se font pour travail, qui a fait un travail pour être faire, non? Mais travail, il a fait dans les coulisses. En coulisses, il a travaillé, il a passé visiter les gens, il a encouragé les gens, il a fait coup de colle. Sœur Nizi Kembe là, sœur Monette qui se font. Même si vous n'êtes pas présent, nous encourageons, nous sommes là, dans le travail. Là. Quittez-nous saluer aussi la sœur Suzanne Janvier. Agapé a salué, l'église a salué sœur Suzanne Janvier, a salué Madame Franck Dauphin, ancien membre de l'église. La sœur Franck Dauphin, même s'il n'est pas là, côté lié à la suivre, nous. Nous saluons la sœur Franck Dauphin, nous saluons aussi la famille Similien, et sœur Florène Similien, ensemble avec Marie, la sœur et frère Johnny. Mais juste avant de continuer dans les détails, on passe à Diactelisma. Ils vont dire plus, ils vont ajouter pour nous à la gloire de Dieu matin. Merci. Frère Samuel, grâce, bon Dieu avec nous. Alors nous allons venir camper là pour annoncer ou bien c'est Diakio ou bien c'est l'école du dimanche. Alors matin, c'est l'école du dimanche. Nous connaissons mois de mars qui va venir là, a fait un an depuis l'école du dimanche, pas fonctionné. Un an, mois de mars. C'est en mars, nous sommes campés. Masque a pas venir là fait un an. Alors deux semaines qui sont passées là, t'es un groupe professeur et comité de l'école des anges qui était réuni. Et comme ça nous prenons une décision pour nous recommencer avec l'école du dimanche. Mais lorsque nous disons pas recommencer avec l'école du dimanche là, c'est pas même janté avant parce que nous connaissons un moment pareil qu'on a ça. Sur ça n'a pas le fait là, n'a pas le fait une seule classe. Chaque dimanche, avec un seul professeur, qu'on a chaque monde qui a chuté à côté de vous, on est capable de poser des questions. Et nous faisons arrangement avec M. Media, Frère Souverain, Frère Bernard, côté même si on a un monde qui a pour ne pas envie venir, pour ne pas avoir trop de monde qui a, on a posé des questions de la Kaili étant. Question qu'on ne pas répondre même jour dimanche, là, mais on a fait pas capable. Pour que dans dimanche qui vient nous répondre à question ça. Nous avons commencé officiellement premier dimanche mois de mars. Nous commençons en mars, nous sommes campés. Nous avons commencé encore dans le mois de mars. Un an après, nous avons passé vite. Alors, dans le premier dimanche mois de mars, nous avons passé un moment de réflexion ensemble. Et deuxième dimanche mois de mars, officiellement, nous avons commencé avec classe, l'école du dimanche, comme dit, il y a une seule classe. On seul professeur. Nous ne faisons pas de classe, nous sommes habitués à faire, puisque avec cette affaire de pandémie, nous ne pouvons pas faire. Nous avons commencé à 10h, tout le bagage a changé net. Nous avons commencé à 10h classe, et nous avons fait façon avant 11h. Nous avons demandé à tout le monde qui a fait faire classe là, pour que avant 11h, il faut que la classe soit finie, pour que le service d'adoration soit capable de commencer. Non pas non quoi c'est bon bagage parce que l'école du dimanche c'est un pilier lié dans l'église. On l'église vraiment pas fonctionner sans enseignement de la parole de Dieu et une c'est l'école du dimanche. N'a pas nous tout en prier pour ça pour que bon Dieu fait route parce que bon Dieu n'a pas servi à lui qu'on fait route côté pas gain route, lui qu'on fait route dans le désert, il fait route dans l'eau. Et ben n'a pas faire route pour nous pour que initiative ça nous prend. Les réussis. Passez un bon dimanche. Bon Dieu bénis nous. Merci beaucoup, Diak Telisma. Que bon Dieu attendez. On nous prier que au moment de l'école du dimanche, nous avons une réussite, malgré les choses bloquées. Mais le ciel est au courant. Il y a un bouquet d'anniversaire pour la sœur Jacqueline Saint-Hil qui t'a fêté hier, vendredi, du groupe Agapé, comme dit ce genre, bonne fête, pas seulement groupe Agapé, un groupe d'hommes, c'est
Zami nous, c'est ce nous. La famille Saint-Île, c'est Ismaïla, Mamaï, Oriane et tout l'autre monde, sœur Jolène, Abdi, sœur Jacqueline Saint-Île. Bon anniversaire. Bonne fête, sœur Jacques. Quand vous avez suivi, nous disons bonne fête. Ça n'a pas oublié le groupe jeune, sœur Nelly, avec les responsables. Sœur Jacqueline, toujours dans le jeune, il a dit joyeux anniversaire. Il a dit bonne fête, joyeux. Joyeux, non, joyeux. On y a eu fou, il a liaison. Bon, dit bonne fête. Bonne fête. Nous avons la sœur Janine Sanon qui a fêté le 13, qui a fêté hier samedi, il a fêté sœur Janine Sanon. Maman groupe d'hommes. Monsieur Abdouja, bonne fête. Vanessa, Timoun, petit à petit, Abdou, bonne fête. Et le groupe Agapé, y a un bouquet d'anniversaire pour la sœur Janine Sanon. Et classe Lumière, tout. Classe où on participe là-dedans. Abdi, bonne fête. Nous avons sœur Rinec Sylvain, qui a fêté jeudi à ses fêtes sœur Rinec. Marna Tabdi sœur Rinec, bonne fête. Nous avons la sœur Emilia Jean, les amis, qui a dit joyeux anniversaire, sans oublier les Sylvain, petit garçon, les deux garçons que vous gagnez. Et Marie, qui est en Haïti, a dit sœur Rinec Sylvain, joyeux anniversaire. Nous avons les amis, nous, même la foi. C'est la sœur Elisabeth Lafontaine qui t'a fêté mercredi, c'était fête. Nabdi Babette, bonne fête. Groupe La Foi, son membre La Foi. Situation l'école, elle a enseigné. Gardez-le nous parole dans le groupe La Foi. Mais m'a dit, elle était là. Nous dit la sœur Elisabeth Lafontaine, joyeux anniversaire. Et ça nous pas oublié la sœur Jessie Jean-Jacques. Cap dit Babette, bonne fête. Nous signalons aussi le départ de tonton, sœur Anal Guillaume, la famille Guillaume. Et bon, tonton, c'est ton papa, il était hier pour sœur Anal. Et tes frères Edney Benjamin. Edney Benjamin. Fier l'a célébré, a fait la célébration, ça fait samedi. Dieu voulant qu'il va. Oui, demain samedi, cabine là, vous me dites ça, demain samedi. 10h pour 11h, c'est viewing là. C'est viewing là. Et puis à 11h, c'est service funèbre là. Fraternité, son peuple qui a entendu. Toujours prête pour nous supporter, à l'instar de hier, pasteur André Louis qui était là. Plusieurs membres de l'église étaient avec un sœur Nadine Théodore et sœur Nicole, nous étaient campés. Plusieurs étaient là pour se supporter, famille là. De par pasteur dans le pays d'Haïti, nous étions là. Alors, samedi, si Dieu veut, qu'on a campé. Pour nous supporter famille Guillaume nan, nan départ et frère nous frère défunt frère Edner Benjamin nous avons notre note n'a signalé gien de bagaille si nous pas connait nous pas connait puis nous connait m'a dit si nous pas connait m'pas connait c'est bon nous nous gien frère fils là quelque chose passé 3 semaines l'hôpital ça touché me l'aime pas avec madame Lanléa il dit nous pas relé li au diable c'est Gertrude la guerre capable comprendre ça excusez-moi. C'est hier, il est retourné la caille. Mais nous continuons à prier pour Fritz, que bon Dieu fasse pile route avec lui. Et si elle campe avec lui, nous avons une maladie, nous avons tombé lui. Et jusqu'à présent, la vie toujours. C'est Gertrude dans pas l'hôpital. Pas l'hôpital. Ou même dans le groupe Agapé qui compte téléphone sur Gertrude, son même groupe Agapé. Alors, signalez pour nous relier sur Gertrude de la guerre, pour nous prier avec lui, pour encourager lui. Ça veut dire de nous du même coup. Nous pas nous avons dit Saint-André. Nous avons dit ça. Mais son bail est préparé là, de yon. Faites des amours, c'est chaque jour, même qui marie, qui madame. C'est chaque jour, faites ça. Mais bagay ça. Mon petit Jean, mon petit Jean, petit Jean. Prêtez Saint-Dédé. Comment est-ce que c'est Saint-Dédé? Bon, alors nous pas nous avons dit ça. Alors, il y a un petit bail est préparé pour nous, de yon. Il joue avec lui. Pour encourager lui. En tant que le floriste. Sous-titrage
Nous remercions mon Dieu pour grâce encore une fois, pour harmonie et pour fidélité. Tout le monde qui a fêté, encore une fois, bonne fête. Et au même qui a fêté l'amour chaque jour, bonne fête. Au même qui a fêté le jeudi en tout, bonne fête. Que bon Dieu est capable de bénir, il y a un beau cadeau content, il y a un beau cadeau content. Parce que puis gros cadeau, Jésus, quand on banon déjà. Mais bon Dieu est quand on banon, lorsque le voit Jésus, seul petit lit, pour être capable de mourir pour nous sur le bois du calvaire. Gloire à Dieu. Donc, remets chaque jour, même lorsque le pas facile quelquefois, mais continuez remets. La paix, bon Dieu, à mer. Parce que l'amour bon. Et c'est parce que non seulement bon Dieu lui-même, les banons, le petit Jésus-Christ, il connaît ça, ça veut dire, non, t'as coup proverbe lundi, mais vini, mais allez, mais vini, qui fait en mérité, les banons, tout bagaille. Et lui-même, en retour, lui dit, apportez à la maison du trésor tout le dîme, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et il dit, et mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, la même salbanoa, l'a joué ensemble avec nous la donne. Et Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ouvre le cœur matin, dans un jour spécial ça, le jour du Seigneur, pour capable bail Seigneur, on partit dans ça que le permet que vous gagnez matin pour capable venir adorer. Avec nous de les musiciens de l'église. À la gloire de Dieu, bon dimanche.
jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Non, jamais tout seul. Le seul monde qui ne peut jamais guider. Il ne peut jamais laguer. Il ne peut jamais abandonner. On a prié ce offrande-là avec notre demi, la sœur Denise Luma, à la gloire de Dieu. Saint, 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 l'Éternel des armées, non pas à nous, non pas à nous, Seigneur. Dieu de d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Jésus de Nazareth, Papa, qui est dans le ciel, la roi des rois. Oh l'Éternel, de Alléluia. Dieu tout-puissant, Papa. Mais, offrande qui sont ramassés là, Seigneur, Dieu tout-puissant, Dieu de d'amour. Nous disons merci, Seigneur. Nous disons merci pour tout travail qu'a fait dans l'église, ou Seigneur, dans la maison. Nous disons merci une fois encore, Seigneur, Dieu de d'amour. Nous disons merci, Papa, pour offrande qui sont ramassés. Et tout le monde. Ou te bay opportunité pour te mettre main en corbeille là Seigneur nous disons merci pour lui pour ça et tout le monde qui pas de opportunité pour te mettre main Seigneur qu'on va bay au travail ça qui pas dans travail ou bay au travail Seigneur Dieu de d'amour prochainement les a venir à joindre toute bagaille pour mettre dans corbeille là Seigneur Dieu de d'amour nous disons merci Seigneur nous disons merci et messager à Seigneur Dieu de d'amour Dieu trois fois saint papa capote message capote nouvelle la bagaille pour nous nous sanctifier Seigneur ô l'Éternel des armées nous connons devant Alléluia. Gloire à Dieu. La bande de l'église a campé pour nous applaudir, Seigneur, qui s'est ajouté 80 années dans la vie de Denise Louis. Alléluia. Nous dit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu gloire. Nous dit bon Dieu merci. Oh, ajouter des années que continuer à couvrir dans ma grâce, dans ma protection. Et tout le monde qui a fêté dans le mois de février, que bon Dieu vide, il y a un verse de bénédiction sur tête. Nous. Bon Dieu bénis nous. Amen. Nous crions Alléluia. Nous disons merci Seigneur. Au l'amour qui m'a cherché. Au l'amour qui m'a trouvé. Il est merveilleux. Sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. Gloire à Dieu. Nous chaque qui là, bon Dieu, t'es prêt nous un côté différent. Nous chaque qui là, nous t'es un brebis égaré. Si nous pas de voler, nous t'es menteur. Si nous pas orgueilleux, nous t'es non bagaille quand même. Nous t'es égoïste, nous t'es le moi dans nous-mêmes. Mais gagnons le. T'es gagnons monde qui t'es bailler la ville pour nous. Il t'es témoigné l'amour pour nous. L'amour ça pas gagner mentir là-dedans. Gagne monde qui dit le Raymond, il paraît mon vrai. Mais l'amour ça, c'est un amour qui sans mesure. Oh grand amour. L'amour Jésus me trouve. On nous campe pour nous célébrer non Jésus ça. Qui te témoigne l'amour pour nous. Alléluia. Son grand amour me cherche. Le chemin blessé sur ses épaules il porta sa brise égarée toute la nuit par le péché et
oh l'amour, oh l'amour qui m'a la mer, essuie tous mes pleurs, essuie à tous mes pleurs, lava tout te sourire, lava tout te sourire, me présassure son cœur à mon nom. Je mourir, oh l'amour, oh l'amour qui m'a, oh l'amour, oh l'amour qui m'a, il est merveilleux, il est merveilleux, sublime et grand, l'amour. Me montrant ses mains percées, me montrant ses mains percées. Pour toi, mon sang coula et mène, et mon côté fut percé. Pour toi, à Golgotha. Hey!
m'a purifié l'amour. L'amour de Jésus pour son debout. Très belle inspiration. Mon qui écrit chant ça. Au l'amour qui m'a cherché. Au l'amour qui m'a sauvé. Il est merveilleux, sublime et grand. L'amour de Jésus pour son enfant. L'amour de Jésus pour son enfant. Dieu est amour. Et ça fait de vous y a fêté, faites l'amour, si faites bon Dieu, y a fêté. Quel y aurait le Valentin ou bien Valentine, ou bien Valentine ou bien Valentina. C'est la fête de l'amour. C'est la fête de Dieu. Depuis qu'il y a amour, parce que l'amour vient de Dieu. Qui côté la haine, Zoti? Eh bien, depuis qu'il y a l'amour, c'est la haine qui vient. Vous comprenez? Si vous ne pas, c'est Raïl Raïl. Vous voyez ça? Moi, je nous tous. I love you all. Amen. Cherchez deux, trois mouns, vous voyez, mais vous remets à la gloire de Dieu. Moi, je nous. Alléluia, I love you all. You know I love you. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, bon Dieu bénis-nous. Gloire à Dieu, nous bénis bon Dieu gloire. Nous disons bon Dieu merci. Il bénit nous ce privilège pour nous capables la matin, hein, encore vivant. Amen. Bah, c'est dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Est-ce qu'on va respirer? On nous applaudit le Seigneur qui nous a donné la vie, le souffle et la respiration. Il est digne de gloire, il est digne de louange, il est digne d'être exalté, il est digne d'être magnifié, il est digne d'être applaudi. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni, que son Saint-Nom soit exalté, loué soit l'Éternel, magnifié soit l'Éternel, glorifié soit l'Éternel. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Alléluia. Gloire à Dieu, nous disons Dieu merci qui permet de nous arriver dans le 14 février. Passer janvier, 14 février. Nous capables de crier et bénir. Jusqu'ici, jusqu'à cette présente minute, jusqu'à cette présente seconde. Alléluia, nous capables de crier, Bénézer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il est grand, il est merveilleux. Dieu est amour. C'est un réel privilège matin pour nous guérir avec nous, serviteurs de Dieu. Un homme que j'ai appris à apprécier. Et j'ai trouvé frère Nixley Almetus, un serviteur selon le cœur de Dieu. C'est lui que le Seigneur confie parole les matins. Que le Seigneur vous bénisse, petit garçon, mon besogne. Dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous disons Dieu merci pour le privilège que lui a accordé nous matin encore pour nous capables de méditer par parole ensemble avec vous. C'est une grâce que nous n'avons pas méritée, c'est une faveur. Il y a plein de monde qui est mieux formé que nous qui a fait ça plus facilement. Mais il choisit nous matin et nous dit merci pour ça. Sans plus tarder, pendant nos campés, nous pourrons faire lecture par le bon Dieu dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12. C'est un texte que en pile monde connaît déjà, mais 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Prions Dieu. Seigneur, nous te remercions pour grâce qu'on fait nous.
vous mettez nous camper devant matin pour nous capable parler pour vous. N'apprendre autant prier, effacer nous complètement. Utilisez-nous, Seigneur, afin que le peuple capable édifier et au même on va glorifier. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Nous avons demandé pour nous capables de quitter la Bible, nous ouvrir dans deux chroniques, mais le message là pour le dérouler du verset 10, du chapitre 17 au chapitre 20. Et ça fait que nous avons demandé pour un petit temps pour nous faire lecture ça, les nouvelles à Kaino, chapitre 17 à chapitre 20. Peut-être que bon Dieu a un autre message que le Karabaou, si vous faites ça pendant la journée. En tant que chrétien, quelle influence exercez-vous sur votre entourage? En tant que chrétien, qui impact qu'on fait sur le monde ou à côtoyer? C'est sur ça que nous allons parler matin. En pile célébrité dans le monde, yo rempile des hommes riches, des écrivains, des présidents, des politiciens, des chanteurs. Ils exercent une influence considérable sur le monde qui admire. Et les gens qui ont fait des choses extraordinaires, ils sont capables de suivre une vedette. Ils ont même jusqu'à prendre risque, braver danger pour les gens qui ont admiré. Cependant, grand pile monde qui dit aux chrétiens, au lieu de influencer le monde, au contraire, c'est le monde qui influence. Au lieu que yo capable exercer un impact sur le monde qui pas converti à côtoyer, au contraire, c'est moun si la yo qui influence. À tel point que yo gen même langage avec genre de moun si la yo, yo gen même style d'habit, même style de musique yo tande, même style de parole que y a parlé, on dirait qu'on pas qu'à identifier yo de cela qui pas bon Dieu. Nous autres chrétiens nous connaissons que Jésus-Christ est notre divin modèle. Mais cependant, il y a beaucoup d'hommes et de femmes dans la Bible que nous sommes capables d'utiliser comme modèle pour nous imiter, foi. Et si l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 10, versets 5 à 11, lui mettait nous en garde pour ne pas suivre les mauvais exemples du peuple d'Israël dans le désert, nous cap suivre le bon exemple de ceux et celles qui ont servi Dieu avec foi. L'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 7, il dit: vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Au verset 9 et 8 et 9, il dit que l'apôtre Paul lui dressait la parler de façon que le mène ville, en façon que pour le monde capable d'imiter. Donc, on doit mener en vie en façon pour l'autre monde qui parle le bon Dieu, il est capable de jouer nos bagailles, qui a attiré au bon Dieu. D'ailleurs, c'est pour raison ça même l'homme de créer. L'homme de créer pour être capable de faire impact. Pour être capable d'annoncer la gloire de Dieu parmi les autres nations. Le peuple d'Israël est créé dans l'unique but pour être capable de parler de Dieu parmi les autres nations. Il y a un peu de monde qui dit que bon Dieu lui n'a pas participé pour choisir un peuple, un seul peuple d'Israël. Et qu'il y a tout l'autre peuple. Il choisit le peuple d'Israël pour le peuple être capable de servir, témoigner pour lui parmi les autres nations. Malheureusement, le peuple d'Israël est échoué dans l'objectif ça. Nous-mêmes l'Église, je dis à c'est nous-mêmes qui jouons le rôle là. Pour nous capables de jouer, exercer un impact sur l'autre monde qui ne convertit, qui ne convertit pas mon Dieu. Mais c'est avec un peu de tristesse que nous voyons que l'impact, ça nous a fait mieux. Si un peu de monde qui dit que c'est chrétien dans l'Église, il a joué le rôle tout bon vrai. Faut me dire que ça t'a capi mal dans le monde si l'Église n'était pas là. Ça veut dire que l'Église fait un impact quand même. Il t'a pis mal, ce que ça nous veut dire. Mais nous t'es qu'à faire mieux
Si gen trop monde dans l'église qui vini seulement par routine l'église. Yo seulement porter nom, c'est chrétien. Yo porter nom seulement, mais en réalité dans environnement yo, dans entourage yo, yo agi même gens avec monde qui pas converti. Ça ne fait que moun si la yo pas gen aucune influence, yo capable exercer sur le monde. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit aussi dans le chapitre 13, le verset 7, de nous souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu, de considérer quelle a été la fin de leur vie et d'imiter leur foi. Donc, songez à ceux-là qui t'a parlé de l'Évangile. Comment ils ont fini dans l'Évangile et essayez d'imiter foi. Donc, passage sous Tessa. C'est pour vivre de telle sorte que l'or fini sous terre ça, gen moun ka pa songe comme on t'a servi mon Dieu, il va dire que bon, ben me servir mon Dieu même Jean avec tel moun que me t'a côtoyé. C'est un privilège, nous est capable de dire que bon, m'a servi mon Dieu avec même Jean avec pasteur Ismaël le finalé. Parce que il qui ton trace. Est-ce que dans la vie ou quoi que vous quitté ton trace l'or fini? Est-ce que façon à vivre l'évangile les conforme avec sa parole, bon Dieu dit? Au chapitre 11, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que les banouis ont une liste non exhaustive de monde qui était servi bon Dieu avec foi. Il y aurait les héros, des héros de la foi. Mais comme liste a grandi l'autre mot encore, ça veut dire que nous t'apprenons pile temps pour nous citer les gens qui t'ont servi mon Dieu avec foi. Et parmi les gens qui nous parlons le ce matin pour nous parler de Josaphat. Josaphat, brièvement, nous parlons garder trois éléments, trois caractéristiques que Josaphat qui t'a rayé, les Josaphat a rayé sur le peuple de sur le royaume de Juda. Et là, nous finissons par les noms de trois éléments, ça, trois facteurs. Ça, nous ne pouvons pas laisser mettre en garde contre les erreurs que Joseph a fait. Nous ne pouvons pas imiter avec tête baissée tout ça que nous fait. Mais nous prenons la Bible, c'est pour nous prendre ça qui est bon et ça qui n'est pas bon pour nous rejeter. Qui est Joseph a fait? Mais pour nous bien comprendre, il faut nous dire que Salomon, l'élite roi, il était commencé très bien. Mais finalement, il finit mal. Salomon fait bagaille qui est contraire à sa volonté, à sa bon Dieu dit. Salomon te remet en pile femme étrangère. Et moun si la yo, yo te porte que Salomon pour être capable d'adorer des faux dieux. Son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. L'Éternel fut irrité contre Salomon et déchira le royaume de dessus de lui. Bon Dieu était fâché avec Salomon. Et qui ça le fait? Il dit que moi le divise le royaume, non? Mais ma baye distribue à serviteur. Serviteur Salomon, c'était Jéroboam. Et m'a quitté en tribu pour petit tout, Roboam. Pour qui ça? Parce que David, moi te promets que l'a toujours gagné une lampe qui l'humait dans le temple de Jérusalem jusqu'à ce qu'elle mourit. Donc, il déchire le royaume en deux, et bien, nous venons le royaume est venu divisé. Il s'est fait gagner les 10 tribus qui étaient constituées le royaume d'Israël et la tribu de Juda avec la tribu de Benjamin qui était constituée le royaume de Juda. Josaphat était roi sur le royaume de Juda. Il a prié sur le royaume de Juda. Josaphat devint roi. L'Éternel fut avec Josaphat. L'Éternel a fermé la royauté entre ses mains parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne chercha point les Baal. Mais pour quelle raison, bon Dieu était ensemble avec Josaphat? Il était dans la parole, il suit l'exemple papal qui était pour lui, à savoir David.
Eli pas cherché Baal, pas bien que bon Dieu t'est fâché avec Salomon parce que Salomon t'est même construit des hauts lieux pour des faux dieux. Parce que tout le monde ça que le terrain mais et bien monde ça prend tête lui et bien c'est monde qui pas converti, c'est des nations païennes et bien ils ont porté pour capable construire des hauts lieux pour des faux dieux. Et Salomon t'est même allé jusqu'à adorer des statues. Mais Josaphat n'est pas fait même bagaille là. Salomon au contraire, les Josaphat vin roi. Josaphat t'est marché dans chemin que David t'est tracé pour lui. Il t'est même détruit les Baal, les faux dieux. Voyons trois faits qui caractérisent le règne de Josaphat. Tout d'abord, dans le règne de Josaphat, nous parlons que Josaphat a un désir pour le capable faire volonté bon Dieu. Deuxièmement, nous parlons que Josaphat a fait bon Dieu confiance. Et troisièmement, nous parlons comment Josaphat a une passion pour être capable de louer bon Dieu. En nous, premièrement, comment Josaphat a désiré faire volonté bon Dieu. Devenu roi, ses premières actions étaient de faire disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles et de faire enseigner la parole de l'Éternel dans Juda. Depuis Josaphat fin monté roi, pour y voir ce qu'il fait, il détruit tout faux dieu, toutes idoles. Eh bien, il était font groupe monde, eh bien, pour le être capable enseigner la parole de bon Dieu dans tout Juda. Dans 2 Chroniques, chapitre 17, verset 6, il dit que son cœur grandit dans les voies de l'Éternel et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Verset 9, ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Verset 10, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui entourent Juda et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Donc, mais qui résultat qui gagne lorsque vous êtes dans la parole de Dieu? Josaphat choisi pour capable faire volonté bon Dieu. Et bien, bon Dieu lui-même, il a fermé le royaume dans la main. Et bien, il fait que tout l'ennemi campait bien loin. Parce que il fait bon Dieu confiance, il retient dans la parole bon Dieu. Il faut me dire que l'ennemi n'a pas qu'à camper devant ou sourire dans la parole bon Dieu. Sourire dans la volonté bon Dieu, l'ennemi n'a pas qu'à camper devant. Ou a toujours fait succès, sourire dans la volonté bon Dieu. Et si vous voulez influencer l'autre monde pour bon Dieu, vous avez besoin d'apprendre à faire différence dans le monde. Je vais répéter ça encore. Si vous voulez influencer l'autre monde pour bon Dieu, vous avez besoin d'apprendre à faire différence dans le monde. Malheureusement, il y a un pile de chrétiens qui sont des chrétiens qui sont foule. Ils n'ont pas de conviction. Même si tout le monde dit que c'est blanc, même si la parole de bon Dieu dit que c'est noir que lié, bon, puisque tout le monde dit que c'est blanc, bon, il est d'accord. Faut me dire que même si c'est vous-même seul qui campe dans l'entourage pour la vérité, c'est pour camper pour la vérité. Même si vous avez dans la tête, même si vous voulez faire toute bagaille, puisque c'est la vérité, puisque c'est la parole de l'Éternel, vous devez camper devant. D'ailleurs, si vous prenez position pour bon Dieu a pris position pour vous. Pabli, nous sommes tout à l'heure, on a volonté bon Dieu fait l'ennemi camper loin. Amen. Donc, pas peur ça quoi arriver. Même j'ai enlevé trois jeunes hébreux, ils ont été menacés, ils ont été plagués dans la fournaise. Mais ils ont été d'accord. Mais ils ont été convaincus que quelque chose ça ou a fait, ils n'ont pas jamais adoré le statut. Gien pile chrétien, c'est chrétien dimanche seulement pour deux heures de temps. Quand on arrive à la caille, il n'y a pas chrétien. Quand on arrive dans le travail, ils sont l'autre monde. Quand on arrive à l'école, ils ont l'autre bagaille. Pendant deux heures de temps, les dimanches, ils sont là. Et puis, ils ont servi bon Dieu. Quand on est un saint, ils sont là. Et puis, c'est le monde qui a une apparence de piété pendant deux heures de temps. Mais on n'a pas aucune influence la caillou, même si on n'a pas qu'à croire dans yo.
pas oublier que grand pile timon yo y a suivre ça va faire yo vient l'église là yo tend les paroles là tout mais lorsque on dit pour yo pas bailler menti et que ou même yo va bailler menti yo pas croire encore pas rien qu'a faire au cœur et c'est ça qui fait grand pile là yo qui fait que bon parents c'est pas la prêcher dans l'évangile bon bah l'évangile pas intéressé mais on va venir parce que ou pas un modèle pour yo la caille là. Ça va professer avec bouche, c'est pas li ou fait vraiment. Le monde dans travail yo fait tout bagaille qui mal, yo dans corruption, yo dans vol, ou même qui chrétien ou là dans tout. Le monde a parlé monde mal, même gens ou même y a parlé pasteur mal, y a parlé serviteur bon Dieu mal, ou même tout ou là dans tout. Donc, comment on peut camper devant Mounsila pour annoncer l'évangile? Est-ce qu'on est l'oreille dans la volonté de bon Dieu ou influencer l'autre monde sans même pas en nous compte? Quand on cap suivre vous, on pas obligé de parler à cléonner que c'est chrétien quoi. Action yo parler beaucoup plus fort que parole qui sortit en bouche. Et quand mon cap suit vous, mon qui pas des parents cap suit vous. Wa étonné pour dire que c'est eux même qui a attiré à la conversion. Ou pas dire bon qu'il aime des prêcher, on va déjà me prêcher. Mais c'est une parole ou bien son façon pour te comporter au devant et c'est ça qui mène à la conversion. Des pour dire ces chrétiens croyer le monde. Yo connaît qui ça a pas attendu. Le monde connaît bien comment on doit vivre en tant que chrétien. On est étonné pour voir que si dans un moment de faiblesse ou font barre qui pas bon, on voit comment tout le monde a parlé mal, tout jébra qui sont. Alors que yo même il y a ben en bagarre là, ça pas dire rien, mais où ou pas faire. Où ou pas faire. C'est vrai, nous dit que garder des moments de faiblesse. Nous ne parlons pas de ça comme un prétexte. Pendant qu'on tombe bien, mais c'est pour relever. Pas arrêter à terre. Parole, mon Dieu, c'est boussole. Parole, mon Dieu, c'est une lampe qui a éclairé le chemin. Le monde, c'est dans tout son côté qui fait noir. C'est seulement parole bon Dieu qui met au cap du côté pour mettre pied dans le monde. Donc si vous pas fait parole bon Dieu guide et vous pas tomber dans tout le monde. La parole de l'Éternel est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Deuxièmement, Josaphat a fait bon Dieu confiance. Non seulement nous voyons que Josaphat est prêt, il a désir pour capable de faire volonté bon Dieu, et bon Dieu fait l'ennemi camper bien loin. Mais deuxièmement, bon, Josaphat a fait bon Dieu confiance. Dans 2 Chroniques 20, chapitre 20, verset 3, il dit que lorsque les fils de Moab, les fils de Moab, ont marché contre Josaphat, puis ont fait la guerre, Josaphat, dans sa frayeur, se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Dans sa prière à l'Éternel, Josaphat a fait la fameuse déclaration suivante. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Déclaration ça prouvait incapacité Josaphat et dépendance totale
à bon Dieu pour gagner la victoire. Donc, Joseph a parlé comme ça, c'est que lui montrer que il n'est pas capable et lui montrer que il dépend de bon Dieu pour gagner la victoire. Et bon Dieu, qui ça, bon Dieu répond lui dans verset 15, il dit, et Jacques Aziel, l'Esprit d'Éternel, il saisit Jacques Aziel, il dit, soyez attentifs, tout Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne criez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Bon Dieu répond Josaphat immédiatement. Parce qu'il fixe Gilles sous mon Dieu. Bien aimé, en pile fois même avec vous, nous manquons de faire mon Dieu confiance. Là, nous avons un problème, c'est lorsque nous finissons échouer après toute notre tentative, c'est là ça nous virer face nous à mon Dieu. C'est lorsque nous finissons rêver tout l'autre monde. Et puis nous échouons, et puis c'est là ça nous venons, nous allons consulter l'Éternel. En plus, il ne faut pas délivrer, c'est parce qu'il y a trop de monde pour aller. Il y a trop de monde. Et ça fait que nous ne pas délivrer en plus. Alors que bon Dieu met dans nos situations pour faire confiance. Ça va dire avec Bouchoua, il met dans nos situations pour être capable d'exercer. Et en pile fois on remarque que gen moun ou rele ki gen moyen ki te ka aide ou. Bon Dieu pa vle que yo aide ou. Pour qui ça? Parce que bon Dieu vle ou même ou fait expérience avec lui. Ou saisi ou a dit bon l'oreille si font coup de fil ou tellement te compte sur tel monde et puis moun sa di ah m'pa capable non. Et ou connaît que moun nan capable. Mais c'est bon Dieu qui parle les liés d'eux dans moment ça. Il y a des moments qui bien déterminés dans la vie où c'est pour saisir l'occasion ça, pour apprendre à faire bon Dieu confiance, pour apprendre à faire expérience avec mon Dieu. Et lorsqu'on fait expérience avec mon Dieu dans telle situation, ça peut arriver. Ou pour gagner capacité pour capable annoncer l'autre monde pour faire bon Dieu confiance tout. Parce que maintenant qu'une situation est et eh bien bon Dieu lui délivre. L'on parle derrière ou parle devant. L'on pas contre ça pour faire. Yon seul barre ou devait faire. Fixer Jésus sur l'Éternel. C'est lui même qui a pris un combat pour vous. Même j'en ai pris un combat pour Josaphat. C'est lui même qui a pris pour vous. Peut-être dans ce maintenant où tu recevoir un diagnostic qui bon pile problème. Un docteur te prend une parole qui bon pile problème. Peut-être que c'est une maladie qui a un problème depuis longtemps. Peut-être que c'est un petit monde qui a un problème. Peut-être que c'est un mari ou une madame qui a humilié ou dans la. Quelle que soit la situation qu'on est capable de trouver au matin, bien aimé. Si vous faites prier ça, c'est vos problèmes, ça, il faut prier la nuit la journée. Ou pas dormir dans le jour. Problème ça, on ne peut pas raconter l'autre monde. Li. Mais celle-là, ça m'a pas encouragé au fait. Levez tête, gardez ciel là, fais prier ça. Même Jean-Joseph a été fait. Seigneur, je n'ai pas de force. Je n'ai pas contre ça pour me faire dans la situation. Ça. Mais je fixe les gens sur. Je connais où est, où tendez et où descend. Si vous faites prier ça avec foi, je vous garantis, pour un pile dans nous qui là, semaine ça pas passer pour pas jouer une délivrance pour chercher. Josaphat a une passion pour être capable de louer l'Éternel. Nous, premièrement, Josaphat a un désir pour faire volonté et faire volonté bon Dieu. Pour appliquer la parole là. Et c'est ça qui fait, il prend le monde pour penser dans tout Judas. Deuxièmement,
li apprend faire bon Dieu confiance dans moment situation difficile, li pas compter sur force li garder Seigneur qui cap délivrer. Et troisièmement, Josaphat li gon passion pour capable louer l'Éternel. Josaphat savait que Dieu fait sa demeure dans les louanges de son peuple. Remarquez que bon Dieu intervenu pour Josaphat au moment même qu'il a commencé à faire louange pour lui-même. Dans 2 Chroniques 20, versets 21-22, il dit, puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Amon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Dans le même moment où on commençait à faire adoration, et ça l'Éternel fait, lui met en confusion parmi eux. Quand il y a là, il fait toutes les fils d'Amon et de Moab, c'est ils battent, ils gourmènent contre les habitants de Séir. Et les fin éliminer Séir, et puis ça au fait, ils ont tué tête, ils gourmènent entre eux, juste ils ont tué tête. Joseph n'a pas fait rien. Il est campé, pas oublié, l'Éternel te dit, non, bagaille ça, c'est pas au cap combattre, c'est moins cap combattre pour. Parce qu'il te fait confiance. L'on fait bon Dieu confiance, l'on fait louange pour bon Dieu. Ou activer intervention bon Dieu. Ma propriété encore, l'on fait louange pour bon Dieu ou activer intervention en faveur. Ou songez ça qui est passé dans la prison avec Paul et Silas. Ils étaient en chaîne, ils ont marré, ils ont décidé de faire louange pour bon Dieu. Il y a des gens qui prennent un monde fou, comme si c'était pas bon. Il y a un problème qu'on y a, et puis pour chercher, c'est louange, on va faire pour bon Dieu. Avec cœur joie, on va louer bon Dieu. Il y a des gens qui prennent pour peut-être pas bon. Mais plutôt, ils prennent peut-être pas bon parce qu'on connaît ce qu'on va faire. Qui résultat que le débat déjà, et qui résultat que le parle bail dans la vie. Paul et Silas, pendant qu'il a pleuré bon Dieu, et puis, porte prison, l'ouvrit, chaîne pété. Et puis, Jolia même qui était prête pour le tuer tête lui. Parce que si prisonnier est sauvé, lui-même, il a tué. Mais Paul te dit, il pas faire tête ou rien, pas faire mal, non là. Donc, fais louange pour bon Dieu, n'a mis un problème ou yo. Et pas seulement faire louange. Lorsqu'on sent que le problème va le résoudre, ou bien après il résoudre. Mais c'est pendant même on a un problème là. L'on parle devant, on parle derrière, ou qu'on est bon, on fait louange pour bon Dieu. Et puis bon Dieu même pour éclater puissance li, pour le délivrer dans la situation ça. L'on fait, bon Dieu, l'on fait louange pour bon Dieu, c'est une preuve que ou pas garder problème là. Mais regardez les gens qui peuvent le délivrer dans le problème. Je ne sais pas si nous comprenons. Le roi fait louange pour mon Dieu, ce n'est pas un problème dans le corps. Pas mettre tête sous le problème. D'ailleurs, même oublier le problème. Une situation qui arrive, faire effort pour oublier le problème ça pour un petit temps. Et puis concentrer pour louer mon Dieu. Parce que l'on ne garde pas, l'on suspend pas le problème. Quand on dirige sur mon Dieu, on fait louange pour lui. Eh bien là, il pourra faire intervention. Donc, nous voyons que Josaphat, non seulement il était un désir pour le faire volonté, mon Dieu, deuxièmement, il était gagné confiance dans mon Dieu, et troisièmement, il était une passion pour le louer, mon Dieu. Mais, nous n'avons pas fini le message là, sinon pas dit qu'on est heureux que Josaphat ait fait. Josaphat a fait une erreur et l'Éternel te blâme pour ça. L'erreur de Josaphat, son alliance avec Akab. Qui mon Akab te dit?
Akab était roi d'Israël. Pas oublier, il me dit le royaume était divisé. Royaume d'Israël et royaume de Juda. À l'époque, Akab était roi d'Israël et Josaphat était roi de Juda. Akab fit ce qui est mal à l'Éternel, plus que tous ceux qui étaient avant, qui avaient été avant lui. Akab, il prit pour femme Jézabel. Nous songeons mon ça. Jézabel, fille d'Edbaal, roi des Sidoniens, mon nation païenne. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. C'est Akab ça qui t'a voulu tuer Élie. Lorsque Élie t'a prophétisé, t'a dit que on parle gon chisseret, t'a annoncé un chisseret, sécheresse en Israël. C'est Akab ça qui t'a tué Naboth avec la complicité de sa femme Jézabel pour qui ça pour yon vie que Naboth que t'a gagné. Mais c'est moun ça Josaphat, nous voyons qui délivrance Josaphat et bon Dieu fait pour Josaphat comment bon Dieu marche avec lui, mais c'est moun ça l'a choisi fait alliance avec lui. Dans 2 Chroniques chapitre 18, on lit que Josaphat fit alliance avec Akab au point d'aller en guerre ensemble contre les Syriens. Akab mourut dans la guerre ça, mais Josaphat sauvé de justesse. Bon Dieu sauvé-le. Donc, les m'a analysé texte ça, moi pour qui ça dans verset 29 là. De Chronique 18, pour qui ça deux moun pral dans la guerre le roi et Akab choisi, il dit que bon m'a déguisé. M'a déguisé, moi même mettre habit royal, ou mettre habit royal sur vous, moi même m'a déguisé pour pas wèm. On est là, ça veut dire que puisque roi sidonien il demande que c'est roi Israël a seulement besoin, pas fait en pile excepté roi d'Israël seul le besoin. Pas fait l'autre monde rien roi d'Israël. Et puis Akab choisi pour le déguiser et puis là il est malheureux en rond, qu'on est pas c'est lui-même, il va le considérer que c'est roi d'Israël et puis bon. Il était manqué mourir. Et l'aile est acharnée, eh bien, l'aile ouais, parce que en tant que roi, ou gon habit, gon différence pour faire, par façon qu'on habille, il y a déjà, ouais, ou manqué tuer. Et Josaphat. Mais Josaphat a relé à mourir. Bon, comme c'est créé, on l'a parlé, c'est haïtien, non? Hein? Il a relé à mourir, et puis, l'aile regarde, ouais, ah, il a c'est pas Akab. C'est ça que fait Josaphat sauvé. Donc, l'on fait alliance avec le monde. Ce n'est pas parce qu'il y aurait un monde, c'est ça, non? L'on comprend. L'on comprend ou quitter l'église, ou pour aller et faire une alliance avec le monde, avec les gens qui ne sont pas convertis, à tel point qu'on peut le marier avec eux, pour les jeunes qui là, on peut le faire une main avec les gens qui ne sont pas convertis, sous prétexte qu'on peut le convertir, puis devant, et dans le pire erreur qu'on est capable. Par un rapport avec le monde, avec lumière et ténèbres. Depuis que je n'ai pas converti, pas croire dans les gens. Si je n'ai pas croire dans les parce que ça, dans l'IS, l'ennemi l'éternel. L'abservi Satan, c'est ennemi, mon Dieu. Donc, vous-même, quand vous servez mon Dieu, vous allez faire alliance avec lui. Alors, vous pensez que. Dans Jérémie, il dit que malheur aux enfants rebelles qui font des alliances sans ma volonté, qui prennent des résolutions sans moi pour accumuler péché sur péché. Lorsqu'on fait alliance avec le monde, avec le monde qui n'est pas converti, c'est un danger ça. Donc, l'ennemi bon Dieu a toujours été ennemi bon Dieu, ou même servir bon Dieu, chercher le monde, faire volonté bon Dieu. Pas faire alliance avec le monde qui n'est pas converti. Non pas dire que vous n'avez pas de rapport avec vous, ou avec dans le monde. Mais que vous avez des gens dans l'église qui dit que ça c'est plus bon ami que vous avez. Qui est le monde qui n'est pas converti? Bon, comment un monde qui n'est pas converti a fait plus bon ami?
gen moun ki préféré faire zanmi avec le monde sous prétexte ah mon l'église c'est hypocrite, yo la pa parle moun mal, y a pa parle mes affaires de yo pa ket parole, et puis al nan la rue y a pa chercher moun ki pa converti, et puis yo ensemble yo fait des alliances, yo nan tout business, yo nan tout bagay avec moun ki pa converti, et moun nan pa gen ken influence que le ka exercer sur moun sa. Donc l'Éternel t'a blâmé Josaphat à cause de erreur ça. Pas bien que l'Éternel sauve il, mais il blâme il. Il parlait avec prophète Jéhu. Prophète Jéhu blâmé Josaphat dans chapitre 19 là, verset 2 à 3, il dit: "Doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu." Mais pour quelle raison l'Éternel sauve Josaphat? Puis devant nous, comment Josaphat a servi mon Dieu? Mon Dieu fait intervention pour lui, miraculeuse pour lui. Mais à cause de ça, il fait mon Dieu sauver, mais il blâme. Ça c'est volonté mon Dieu. Et vous ne pouvez pas prendre ça comme excuse pour faire tout. Parce que vous ne connaissez pas mon Dieu. Vous ne connaissez les pensées de l'Éternel. Mon Dieu choisit faire pour Josaphat, il ne doit pas choisir faire pour. Il y a des gens qui quittent pour eux dans le monde. Ils ont commencé bien propre et puis ils ont fini mal. Salomon a commencé bien, il a fini mal. Donc, prends garde pour ne pas faire alliance avec les gens qui ne parlent pas de bon Dieu. Il y a des dangers dans ça. Bon Dieu choisit les câbles à mieux. Il a choisi qui t'a tombé tout. Les grands mouns étaient salués. Il a dit malheur à privé, malheur est privé quand même. Comme les grands mouns étaient salués, c'est les cap décidé de faire saluer pour vous. Mais nous-mêmes, nous par contre, seulement on a dit que, prends garde, faites attention. Que Dieu vous aide, que bon Dieu aide vous pour apprendre à faire volonté. Non seulement pour faire confiance, non seulement pour faire volonté, pour faire confiance dans n'importe quelle situation qu'on trouve, et pour apprendre à faire louange pour lui dans le temps problème. Et surtout pour capable veiller, pour ne pas faire aucune alliance avec le monde qui part contre lui. Que bon Dieu capable de bénir. Dieu, nous remercions le Seigneur pour façon l'idée utiliser serviteur lui. Jacques Almetus pour le capable parler ensemble avec nous. Maintenant, continuer à faire bon Dieu confiance. Invoque-moi du sein de la détresse. Mon bras puissant te sauvera. Numéro 68. Réveillons-nous à la gloire de Dieu. À nous mettre debout. À sa promesse. Promesse, bientôt
Seigneur, nous sommes capables de sentir présence au tel là. Surtout, Seigneur, dans la prédication de ta parole, nous t'apprenons comment, Seigneur, pour ne pas courir, entrer dans n'importe quelle alliance. Seigneur, dans le moment même, nous connaissons des gens qui déjà mettent tête dans une alliance qui part volontaire. Mais dans grand amour, Seigneur, dans la miséricorde, nous demandons au Seigneur, ou capable de faire une intervention.
En pile fois, Seigneur, nous pensons ces contrariétés. Mais c'est l'amour qui a quelques alliances ou pas qui te rentre dans yon. Seigneur, qui a aucun pitié pour paix pour matin, Seigneur. Nous-mêmes qui capables déjà sur une mauvaise voie, qui a détourné nous de voie ça, Seigneur. Que gloire au Seigneur capable de réaliser, que dessein capable de réaliser dans la vie nous. Conduis-nous par ton amour, Seigneur. Afin que Seigneur, tout ça ou déjà planifié pour nous, capable de réaliser dans la vie. Nous. Encore une fois, quand nous disons merci pour le serviteur qui t'a parlé de ta part, Seigneur. Et merci pour chacun de nous qui est présent en présence, Seigneur. Que chaque famille qui est là, que grâce à capable d'accompagner jusqu'à leur demeure, Seigneur. Que dans nous qui pour le travail plus tard. Que l'autre qui dans l'autre activité. Seigneur, que même puissance, que même grâce qui te mène venir là. Que c'est même grâce encore qui mène nous retourner à la caille. Nous remettons toute semaine dans la mer au Seigneur. Faire route pour nous. Faire route pour chacun de nous. Afin que Seigneur, semaine nous capables véritable réussite pour nous. Et nous déjà disons merci. Que nous portons victoire sur toute envie, sur toute piège, Seigneur. Parce que parole ou déjà ben nous garantit que toute âme qui forge contre nous sera sans effet. Tandis Père, il y a ça qui est malade, qui n'est pas venu. Ça qui a suivi le service vers les médias, Seigneur, qu'on touche. Que le moment où tu es passé dans la présence, tu es capable de un moment béni, un moment de délivrance, un moment de guérison. Seigneur, c'est parce que nous avons un mérite. Pour nous être capable d'entrer dans la présence ou pour nous adresser au Seigneur. Mais c'est grâce au sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus, nous te prions. Et nous disons Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous, nous remercions le Seigneur pour la présence du Saint-Esprit. Nous glorifions non. Nous disons Dieu merci de ce que tu as utilisé puissamment son serviteur, le frère Almétus. Et le Seigneur fait choix de la sœur Guturin Berthaud. Et maintenant, elle a accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et quand la jeune demoiselle, nous va y bonne gloire, approche-toi. Nous disons merci. Nous avons continué de prier. Voulez-vous que le Seigneur soit capable de diriger et parle chaque jour pour le capable de réellement un modèle, un exemple côté le passé. Que bon Dieu bénisse. Ok? Bonne besoin. Merci. Bon Dieu bénisse. Avec nous, frère Wilman Baptiste, dans la bénédiction. Nous levons mes noms, mettons mes noms en l'air pour que nous soyons capables de recevoir la bénédiction. Que l'Éternel nous garde, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous fortifie, que l'Éternel nous sanctifie, que l'Éternel nous sanctifie, que la paix, la grâce, l'amour du Dieu le Père, la douce intime communion de mon Saint-Esprit, reste de merci chacun de nous, de maintenant et à jamais. Allez en paix, que bon Dieu bénisse.